mesdames, messieurs. Allez, Claire, oui. Alors, les adhérents de Bagnols-Images et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour partager ce moment avec vous tous. Alors, monsieur le maire, Jean-Michel Sauvé, je venais tout d'abord à le remercier de nous honorer de sa présence et de nous mettre, comme chaque année, à disposition cette magnifique salle, le hall d'accueil de la mairie, et en plus cette année pour l'exposition avec les 12 clubs que vous représentez, pour la majorité d'entre vous, la salle du conseil. Je tenais également à remercier et saluer Michel Molly, qui devait être présent, mais il est certainement sur la route, vous m'excusez. Olivier Capel, qui est excusé également. Messieurs les membres du conseil municipal. Carole Laffu, Béatrice Soubiel, Jacqueline Espinosse, Marie-Paul, qui parlait d'apporter Bagnols-Images pour la communication. Le personnel communal, hein, qui nous aide également dans la logistique. Antoine Mascunano et son personnel de l'Office du tourisme pour la diffusion de cet événement auprès des hôtels. Yvan Brieux du journal L'Indépendant, Jean-Pierre Sélénazo, que je vois là avec son appareil photo, Karl de Bagnols Info, mesdames, messieurs, les représentants des associations de Bagnols-sur-Mer. Alors, cette exposition, pour la première fois, a lieu en juin, période propice à la visite d'une exposition après une belle promenade sur notre magnifique esplanade. C'est la page pub. Mais c'est vrai quand même, sous l'œil de bienveillant de Aristide Maillol. Nous avons souhaité renouveler l'expérience de 2015, où nous avions fêté les 20 ans du club, et soit aussi invité 15 clubs qui avaient répondu présent à exposer avec nous. Et on en avait retiré de tous, hein, les clubs présents, une grande satisfaction, et on avait souhaité renouveler cette expérience. C'est une grosse organisation à mettre en place, mais je dirais que le retour sur investissement est positif. Pour le plaisir de partager notre expérience photographique, l'occasion aussi de retrouver et de partager notre passion qui est la photo. Alors je vais les citer, les 12 clubs qui ont répondu présent. Vous ne pouvez malheureusement pas inviter les 30 clubs à peu près du département. En remerciant les présidentes et présidents et leurs membres qui se sont investis à venir exposer avec nous, d'autant plus qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'expositions en cours et ce n'est pas toujours simple de se partager à travers les diverses expositions. Alors, les clubs, Photoclub Illois, Photoclub Parc Carésien, le Photoclub de Collioure, Perpignan Photo, Le Soleil Photo, Larao Photo, Photoclub de Bonpas, Félix Photoclub de Vage, Photoclub de Thuir, Photoclub Catalan, Collioure par l'image, et collectif C'est à voir. Alors un petit mot sur Bagnols-Images, hein, une association qui entame sa 24e année d'expérience, d'existence aussi. Une vingtaine d'adhérents qui au fil des années sont devenus des amis. Alors la saison dernière, c'était une trentaine de réunions et sorties photos pour maîtriser l'art photographique. Participation à cette exposition, qu'elle soit interne à Bagnols ou aussi à l'extérieur. Participer à la vie associative de Bagnols-sur-Mer au travers de nos reportages photos. Alors nos dernières participations, j'en donnerai quelques-unes. La dernière, c'était que nous avions mis en place lors du carnaval un laboratoire de rue et nous avons photographié l'ensemble des carnavaleux et des groupes. Et d'ailleurs, plus de 300 photos sont disponibles sur notre blog Bagnols-Images à disposition des carnavaleux pour les avoir à disposition. On était aussi présents avec l'association Flamenca, la fête de l'Orange, la fête des Vendanges et le club nautique où nous étions participatifs pour mettre en place un concours photo avec eux. Des reportages photos sur les événementiels manifestations culturelles à Bagnols-sur-Mer. Il y en a deux qui nous attendent prochainement, le Swing Run et la légende du col de Bagnols, qui doit se faire fin juin, monsieur le maire nous en reparlera certainement. Cette année, le thème 1 plus 1 égale 2 de notre exposition sort un peu des sentiers battus de nos dernières expositions. On avait eu la mer, on avait eu Faune et Flore. Et là, bon, il s'agissait que deux éléments majeurs de l'image puissent avoir un lieu commun entre eux.
je pense que le résultat est convaincant, puisque sur les 204 photos, je n'ai pas vu d'anomalie ou des hors-thèmes flagrants. De quoi y réfléchir, 1 plus 1 par deux fois, pour faire les meilleures photos, d'autant que le sujet laisse place à la diversité. Il suffit de voir le résultat et l'imagination fertile des photos présentées. Alors, nous vous invitons donc à découvrir cette exposition, vous l'avez certainement vu en partie, qui regroupe donc plus de 204 photos, en vous souhaitant de passer un bon moment et une bonne visite. Merci encore de votre présence et bonne visite. Je vais laisser la parole à M. le maire. Voilà. Moi, je dirais quel succès. Quel succès, l'ordre de la mairie est plein, et nous sommes ravis, bien sûr, de mettre à disposition ce rôle pour vous, mais aussi pour accueillir le nombre de clubs que vous avez invités à votre disposition. Alors, vous avez parlé de 1 plus 1 égale 2, on pourrait dire 1 plus 1, ça peut être aussi faire 3, mais bon. Sans vouloir faire injure aux matheux du coin, mais il y a beaucoup de très belles photos, et puis il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup d'instants saisis. Et je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans l'ensemble des photos qui nous sont proposées, dans ce salle et dans la salle à côté, puis le diaporama aussi montre tout le travail que vous faites. Vous nous avez remercié, c'est nous qu'on devrait vous remercier. Des villes comme Bagnoux-sur-Mer qui ont la chance d'avoir un club aussi dynamique que le vôtre, qui participent à toutes les manifestations, toutes les manifestations. Il n'y a pas une manifestation où vous n'êtes pas présent, il n'y a pas une manifestation où des fois si on s'oublie rarement, où il manque une photo, où on l'a pas réussi, on sait très bien qu'on a un simple coup de téléphone et on a pas une, 10, 20, 30, 50 photos qui nous arrivent, les plus belles les unes que les autres. Donc merci vraiment pour votre participation à la vie locale par rapport à la commune, parce que quand on fait des événements ou quand on fait des manifestations, mais merci aussi, je le dirais au nom des associations, parce que vous participez aussi. Carnaval, fête de l'orage, etc., etc. Et c'est toujours très intéressant de mettre en avant les bénévoles qui participent à ces festivités, qui dépensent beaucoup d'énergie, et vous avez toujours le talent nécessaire pour prendre, comme ici, un petit peu la photo insolite, la photo qui fait plaisir, la photo qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de partager. Et donc vous nous donnez aussi beaucoup de bonheur à travers ces clichés que vous faites, que vous volez quelque part. Il faut se méfier, il faut être attention, pas à n'importe quoi. Dès que vous partagez. Mais faire attention, non, pas du tout. Parce que c'est à tout bien tout honneur. Et que l'idée c'est de partager un moment d'amitié, etc. Voilà. Donc félicitations à vous. Je ne vais pas reparler du front de mer, je vais simplement vous parler d'une chose qui nous tient à cœur, à laquelle vous participez grandement. On l'a écrit dans le bulletin municipal, il y a des fois des idées un peu farfelues qui deviennent réalité. Elles ne deviennent pas réalité parce que c'est une idée farfelue, elles deviennent réalité parce qu'à un moment tout le monde les attrape au vol, les bénévoles bien entendu, parce que seul on ne peut rien faire. Et puis on se dit pourquoi pas, on ne ferait pas ça. Voilà. Donc on avait lancé l'idée de reconstituer la bataille du col de Bagnoul. Finalement, on ne voulait pas s'y gagner, on était parti après sur une reconstitution. De la réconciliation de la bataille du col de Bagnoul, c'est que finalement on est parti sur une chose beaucoup plus simple mais beaucoup plus compliquée. On va recréer sur le front de mer l'après-bataille du col de Bagnoul en 1793 avec les vieux métiers, avec des personnes qui vont venir faire de la fabrication de bateaux, je n'ai plus le nom en tête, etc. des ferronniers, des maréchals ferrants. Tous les deux métiers vont être reconstitués, et puis il y a environ une centaine de Bagnoulins qui vont se costumer. Alors surtout ne dites pas qu'ils sont déguisés, hein. Vous avez les costumes à l'entrée, et donc il y a tout un tas de couturières, et moi je le dirai à un moment venu, mais il faut le dire quand même, ils se sont énormément mobilisés. Ça fait 3 ou 4 mois qu'elles coulent, elles piquent, elles se discutent de temps en temps, mais pas trop. Mais bon, voilà, ça chamaille un peu parce que là, le coin n'est pas bien fait, etc. Moi, j'y comprends rien. Je leur porte de temps en temps à boire et un petit peu de gâteau, ils sont contents. Voilà. Mais en vérité, il faut les remercier parce que si elles n'étaient pas là, on n'aurait pas pu faire ça. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas pu faire ça. Et c'est la volonté de tous les gens de Bagnoul de se regrouper et de faire une fête. Voilà. Alors, j'espère qu'il sera beau, parce que quand on fait des fêtes à l'extérieur,
si le temps est de la partie, c'est toujours magnifique, et s'il fait pas beau, c'est toujours compliqué. Donc, du fond du cœur, j'espère qu'il fera beau, au moins pour récompenser ces bénévoles et qu'on puisse passer une bonne journée. L'idée, c'est de faire une fête très conviviale sur laquelle on passe au moment et sur laquelle tout le monde aurait du plaisir. Et je suis sûr et certain que vous ferez des photos extraordinaires, parce que tout le monde sera non pas déguisé et costumé, moi y compris, vous aussi d'ailleurs, hein, vous aussi. Voilà, donc on qu'est-ce qu'il y a ? On t'entend à l'extérieur. Eh bien, comme ça, ils seront comme nous. C'est pas grave. C'est un cachet comme ça. Ils peuvent rentrer. Voilà, et donc l'idée, elle est là. Et bien, encore une fois, le club sera mis à contribution, mais une contribution sympathique. Et on sait qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup.